Centre Pasteur Dermatologie Diana, bonjour. Oui. Oui, d'accord. Je vais prendre votre nom, s'il vous plaît, pour reprendre votre dossier. Alors, avec le docteur Chavigny, c'est vrai que j'ai pas de place dans l'immédiat. Vous me dites, vous avez... Ah oui, d'accord. Donc, pour un eczéma sévère, je vais trouver une place. Je suppose que votre enfant est à l'école. Donc plutôt mercredi, est-ce qu'en début d'après-midi ça peut aller? Oui. Alors après, donc 17h30, du coup ça va vraiment être toute fin de soirée, plutôt 19h30, après son sport à ce moment-là. Ça ira? D'accord. Bon, mais vous inquiétez pas, donc demain, mercredi, 19h30 avec docteur Chavigny. Voilà madame. Bonne fin de journée, au revoir. Alors Manon, dis-moi un peu ton eczéma, qu'est-ce que ça te fait? Ben, c'est en fait, ça fait longtemps que je l'ai et que ça m'empêche de dormir, ça me gratte tout le temps. Ouais, donc c'est pas très sympa. Voilà. Ok. Donc on peut faire quelque chose pour que tu ailles mieux. Donc on va voir en consultation, déjà, je vais t'apprendre un peu à te traiter. Mais si tu veux aller mieux, il va falloir que tu comprennes un peu ta maladie, les médicaments, comment les mettre. Et donc pour ça, il va falloir, si possible, que tu viennes à des réunions avec d'autres enfants, des préadolescents de ton âge, pour discuter et prendre quelques heures pour bien comprendre ta maladie. Donc on n'est pas obligé de venir. Mais ça permet vraiment de t'aider à comprendre ta maladie et puis à voir aussi d'autres personnes de ton âge qui ont le même eczéma, qui sont aussi embêtées. Parce que c'est compliqué l'eczéma. C'est compliqué, ça bouge tout le temps, on ne fait pas la même chose au niveau des soins tous les jours. Et donc pour bien comprendre tout ça, il faut prendre du temps. Et en consultation, on n'a pas forcément le temps de faire tout ça. Donc ces réunions, elles sont importantes. Tu serais d'accord pour... Oui, je suis d'accord. D'accord, ok. Très bien. Quand on a de l'eczéma, il est vraiment important de comprendre ce qui se passe au niveau de la peau, car le traitement va directement découler de cette compréhension. Pour essayer de mieux comprendre, on a un outil relativement simple qui s'appelle l'eczéma book. Donc l'eczéma book va comparer la peau à une maison. Donc là, cette maison représente la peau de quelqu'un qui n'a pas d'eczéma, donc une peau avec un aspect normal. On a deux épaisseurs dans la peau. La première épaisseur que l'on voit, qui s'appelle l'épiderme et qui est représentée par le toit de la maison, et dessous, ce qui fait la solidité de la peau, qu'on appelle en médecine le derme, qui est représenté par le mur de briques de la maison. Quand on a une dermatite atopique ou eczéma atopique, il existe des anomalies un peu de fabrication de cette peau, et notamment un ciment qui ne colle pas bien. La conséquence va être que les briques vont être disjointes et que certaines choses vont pouvoir se faufiler. On voit cet aspect sur la photo de la peau avec une peau qui est très sèche. Le traitement préventif de l'eczéma qui va découler de cette anomalie est l'application de crème hydratante qui va viser à remplacer ce ciment qui est en faible quantité pour pouvoir réétanchéifier la peau. On appelle ça la barrière cutanée. Lorsque cette barrière n'est pas réparée, certains éléments de l'environnement qui vont agresser la peau vont pouvoir provoquer ce qu'on appelle également en médecine de l'inflammation. C'est ces petits départs de feu qui vont être le début de l'eczéma et qui vont également contribuer à continuer à abîmer. Et donc cette barrière cutanée va être de moins en moins bonne. On va voir sur cette photo des petits éléments rouges qui montrent le début de l'eczéma. Donc également, le traitement va découler de cette information et l'application de crème anti-inflammatoire que l'on peut comparer à un petit pompier qui va éteindre ses départs de feu. Si ces départs de feu ne sont pas rapidement éteints, comme dans un incendie, le feu se propage et donc on aura obligatoirement recours à un pompier plus actif, hein, soit un camion, soit un avion.
On voit sur cette photo cette inflammation, ce feu qui se propage. Et là, on a des lésions d'eczéma extrêmement aiguës, donc importantes. Et donc, pour éteindre ce feu plus important, il va falloir un traitement plus important. En médecine, c'est un traitement anti-inflammatoire, principalement les dermocorticoïdes, donc la cortisone en crème, qui a cette propriété d'éteindre le feu qu'on appelle anti-inflammatoire. Alors Malo, tu as quel âge ? 12 ans. Tu as 12 ans. Donc c'est toi qui mets ta crème tout seul ? Oui. Oui. Est-ce que tu peux me montrer comment tu mets ? Tu vas me mettre là sur ta petite plaque d'eczéma, là. Tu me montres. D'accord. Donc ça, c'est ce que tu fais tous les jours ? Donc tu masses longtemps. Ok, tiens, attends, je vais te donner, ouais, tu peux t'essuyer les mains comme ça. Alors, donc c'est pas mal. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu en mettes plus. Et puis pour pas que ça prenne longtemps, donc on dit un petit poids pour une zone comme le dos de ma main. Donc tu vois, c'est un peu plus, c'est à peu près deux fois plus que ce que toi t'as mis. T'en mets là et puis tu masses fort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça prenne longtemps, donc tu masses fort, hop, tu as une petite plaque ici, tu vas là, tu reviens là et puis c'est rentré. Donc tu vois, comme ça, ça prend deux fois moins de temps et ça va partir deux fois plus vite. D'accord. Tu te sens capable de faire ça ? Oui. Ok, super. Pouvez-vous nous expliquer l'importance d'effectuer des démonstrations de soins ? Alors, ce qui est important avec la démonstration de soins, c'est de comprendre le mode d'emploi d'une crème. Hein, autant quand on dit de prendre un comprimé le matin avec son café, c'est simple, tout le monde comprend. Pour une crème, c'est très compliqué. Il y a où on la met, combien on en met, comment on masse. Et donc, la meilleure façon de comprendre, c'est de voir une fois. Quelqu'un qui a vu une fois la façon d'appliquer une crème, comme Malo, là, il aura compris et chez lui, il pourra refaire ça extrêmement facilement. Quel message cette démonstration de soins permet de faire passer ? Alors, il y a énormément de critères qui sont compliqués à comprendre avec une crème. Premièrement, c'est où est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on commence à la mettre ? Comprendre que les lésions, on les traite le plus tôt possible. Quand est-ce qu'on arrête ? C'est quand il n'y a plus du tout de lésions, donc vraiment le mode d'emploi. Il y a également la technique hein, qui est, par exemple, Malo massait tout doucement. Et donc là, on peut avoir un soin qui dure une demi-heure après le bain, alors que si on masse énergiquement, le soin d'une demi-heure peut être réduit à 6-7 minutes. Et donc, c'est quand même pas la même chose quand c'est à faire tous les jours. Donc, c'est également la notion de quantité. Hein. Donc, tous ces éléments-là vont être appris en une fois avec une démonstration de soins. Si on chronométrait cette démonstration de soins, on se rend compte que ça prend une minute, que c'est très court et que ça vaut tous les discours. Est-ce que ça a un intérêt au niveau de la corticophobie des patients ? Alors oui, la démonstration de soins a un intérêt pour rechercher la corticophobie, car un patient ou un parent corticophobe va pas appliquer la crème de la même façon, et en général, on voit immédiatement la réticence du patient ou du parent à appliquer cette crème, et donc c'est un élément de recherche de la corticophobie qui est extrêmement important et efficace. Alors Malo, donc, on a vu un peu le traitement, donc je vais te l'écrire, comme ça tu pourras afficher ton traitement dans ta salle de bain, tu pourras le mettre dans une pochette plastique pour pas que ce soit mouillé avec tes éclaboussures. Donc je t'ai expliqué ce que c'était que l'inflammation, donc l'inflammation c'est quand ta peau est rouge, donc tu vas avoir deux cases dans ton traitement, quand la peau n'est pas rouge et quand elle est rouge. Donc quand elle n'est pas rouge, on a vu, tu vas mettre du protopique deux fois par semaine, à l'endroit où il y avait de l'eczéma avant, et les autres jours, tu mets la crème pour réparer la peau qui s'appelle VA. Et quand c'est rouge, tu as la crème à la cortisone tous les jours jusqu'à ce que ce soit plus rouge, et en plus, si tu as mal ou si ça te gratte, tu peux remettre la crème cicatrisante qui s'appelle VA. Donc ça, ce sera marqué, donc je vais te l'imprimer, et comme ça, tu pourras... pourra le relire et ça sera toujours clair, même si tu es un peu loin de la consultation. Donc
Voilà, c'est à ton nom. Merci. Et donc tu lis ça et tu me dis si tu comprends. D'accord. Ça semble clair? Juste chronique. Chronique, c'est quand ça dure longtemps. D'accord. Faire de l'éducation thérapeutique en libéral, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est rentable? Alors, il n'existe pas de cotation pour les actes d'éducation thérapeutique, donc on cote des consultations normales. Ce qui est intéressant, c'est ça a été filmé et étudié à plusieurs niveaux, que ce soit dans des entretiens qu'on appelle motivationnels ou des consultations d'éducation thérapeutique. Le temps pris pour une consultation d'éducation thérapeutique n'est pas plus important qu'une consultation normale. C'est juste un temps qui est pris différemment. C'est vrai que souvent, il faut multiplier les consultations pour des cas sévères, et donc on peut très bien, si on est un peu organisé au niveau du secrétariat avec des créneaux d'urgence qui sont bloqués pour ça, revoir 3-4 fois dans un mois un patient avec un eczéma sévère, mais avec des consultations qui vont durer un quart d'heure, 20 minutes, finalement une consultation normale. Donc on peut dire qu'on peut faire de l'éducation thérapeutique sans perdre d'argent en libéral. D'accord. Et alors, faire de l'éducation thérapeutique, finalement, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, c'est vraiment une révolution dans l'activité médicale. Ça permet de revenir aux fondamentaux de la médecine, c'est-à-dire créer une vraie relation de confiance avec les patients et d'avoir un réel partage, une décision qui est mutualisée et d'avoir une vraie activité médicale sincère. Donc là, ce que ça apporte en premier, c'est une satisfaction sur la qualité de l'acte médical et de la relation concrète. C'est vrai que dans les maladies chroniques de la peau, les patients souvent voient plusieurs médecins, il y a un niveau de satisfaction qui n'est pas forcément très élevé, et d'avoir une activité plus basée sur l'éducation thérapeutique, ça change vraiment la donne, et on s'en rend compte avec les différents médecins qui font de l'éducation thérapeutique, il y a un niveau de satisfaction qui est plus élevé, donc ça donne une qualité de soins supérieure à une activité médicale non éducative. Vous êtes psychologue, les patients vous parlent de leur parcours. Quel est selon vous l'apport de l'éducation thérapeutique? Alors, pour moi c'est assez révolutionnaire, c'est-à-dire que ça transforme la relation soignant-soigné. Du fait de la posture du soignant, de sa qualité d'écoute, en essayant réellement de comprendre comment le patient vit avec sa maladie, il est plus empathique, plus disponible, et le patient du coup va sentir que sa parole a une réelle importance. Ça va le valoriser et ça va lui donner confiance en lui. Ça va également donner confiance en la relation avec le soignant et plus globalement la médecine. Le patient va s'investir plus, il va être plus acteur dans sa prise en charge, il va oser parler de ses croyances, de ses savoirs, de ses compétences, de ses doutes, et tout ça fait que l'éducation thérapeutique participe à une meilleure compréhension de sa maladie, à une meilleure acceptation de sa maladie, et du coup le patient va mieux soigner. Les patients me disent très souvent combien ils vont mieux, tant au niveau physique que psychique. Et pour le soignant, est-ce qu'il y a un intérêt? Il y a un intérêt certain, parce que c'est très motivant et très enrichissant pour le soignant, évidemment, du fait de cette relation de partenariat, de cette alliance thérapeutique, où ils vont construire ensemble un projet de soins. Ça va permettre vraiment d'avoir des échanges humainement déjà très riches. Et puis, les soignants nous disent souvent qu'ils apprennent énormément de leurs patients. Ça va permettre également de gagner du temps, parce que la qualité du lien fait que ça va plus vite, les choses sont dites plus facilement. Et puis, l'autre intérêt que je vois, c'est que le patient ne va pas aller voir un autre médecin, il a confiance en son médecin, il est content d'aller le voir, ça lui fait du bien, et donc c'est vraiment une relation gagnant-gagnant, où c'est toujours nouveau, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de sens et beaucoup de plaisir pour les soignants. À votre avis, un dermatologue libéral a-t-il besoin de se former en éducation thérapeutique ?
C'est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'éducation thérapeutique sans être formé. Cette formation est indispensable et c'est même dangereux de penser qu'on fait de l'éducation sans avoir de formation. On a tous des traits, des morceaux d'éducation dans notre activité, mais c'est une vraie démarche complète, hein, l'éducation thérapeutique, qui nécessite une formation au même titre que la dermatologie ou la cardiologie. Il faut se former en éducation thérapeutique. Ces formations, d'ailleurs, ne sont pas forcément lourdes. Hein, il y a dans tous les hôpitaux de France, il y a des formations de 2 jours en éducation thérapeutique qui permettent de déjà mettre un pied à l'étrier. Après, chacun peut compléter ses formations de manière plus approfondie.